Thank you.
Ah bah j'étais mute, mais bravo. En vrai, c'est arrivé combien de fois depuis que je suis streamer? Beaucoup trop! Mais disons que ça fait un peu le charme de ce stream. C'est que ça fait bientôt 7 ans que je vais. Enfin, 6 ans, faut pas exagérer. Mais je suis toujours un débutant. Je suis toujours un débutant dans le streaming, les gars. Pour bon, moi, j'ai commencé hier. Bon, ça va, les potes? Tranquille. Est-ce qu'on est là ou pas? Les gars, j'avais envie de faire un petit peu de poké ce soir. On n'en fait pas souvent. Je me suis dit, franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du poké. Ça vaut le coup. Hein. Ça vaut clairement le coup. Hein. Pour une fois que ma fille dort au début du live. Bah t'inquiète pas, on va la réveiller. On va hurler comme pas possible, mon gars. Juste pour le faire chier. Let's go! Est-ce que tu es surpris par le fait de passer un bon moment? Bah attendez, on n'a pas encore passé un bon moment. Première sur ton stream, pourquoi tu fais jamais de contenu avec Harry? Bah écoute, on fait nos chemins chacun de notre côté, tout simplement. On n'est pas toujours obligé d'être potes avec tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, d'ailleurs, je rappelle hein, que j'ai tourné une vidéo hier avec Volt et Armand. J'ai hâte qu'elle sorte pour que vous puissiez voir à quel point, mesdames et messieurs, j'ai laissé gagner Armand. Vraiment, j'aurais pu faire mieux. Vous inquiétez pas. J'aurais pu faire mieux, mais j'ai vraiment. C'était par pure générosité envers Armand. Donc. Vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est normal. N'ayez pas honte. Un peu de RU, peut-être. Non, mais ce soir, j'avais envie de faire du OU. Voilà. J'ai fait un petit peu de OU avant de lancer le live, là. Et j'ai gagné. Du coup, j'étais en mode. Ah, je suis en confiance. Je suis en confiance, je suis en confiance. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on va build une autre team parce que toutes les teams que j'ai jouées ces derniers temps. Bah écoute, voilà. C'est pas un peu bizarre d'autoriser Magarana et de laisser annihiler pour un beurre. Bah, Kurusinj, on sait que c'est broken. On l'a vu à l'œuvre, tu vois. On sait pourquoi, on sait comment, on sait avec qui, on sait quand. Magarna, c'est vrai qu'on n'a pas encore testé avec le Terra Crystal. Donc peut-être que. Moi je pense que c'est un peu une mauvaise idée parce que bon. Magarna, c'est Magarna quoi. S'il était banni sans le Terra, c'est pas en rajoutant le Terra qu'il va. Il va être fort. Enfin, il va être acceptable, tu vois. Alors les gars, hier soir, pour ceux qui n'ont pas regardé l'opening de cartes, on a eu 1 milliard de cartes super stylées. Donc n'hésitez pas à regarder la rediff. On refera ça la semaine prochaine ou la semaine. Peut-être cette semaine, je sais rien. Peut-être probablement la semaine prochaine. Et j'ai eu une carte notamment incroyable dans la deuxième partie du live que je trouve exceptionnelle. Magnifique. Et apparemment qui est extrêmement rare. Apparemment. Ils ont pas voulu autoriser l'Andorus Incarnate. Ouais, mais ça c'est pas plus mal. Ça c'est pas plus mal, je pense. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de jouer ce soir comme Pokémon stylé qu'on joue pas assez souvent? Un Pokémon qu'on ne joue pas assez. En vrai, on joue pas assez. Rugilune. On joue pas assez Rugilune. Après, il y a Forivore, quoi. Ouais, fuck les Pokémon qui se font wall par Forivore. Pour un moment, ça suffit. Une petite team climat. Oh, une team rain. Oh, une team rain. On a le droit de jouer team rain en OU puisque c'est pas broken. On a le droit. Eh ouais. Est-ce que tu as ouvert toutes tes ETB ou tu en as gardé? J'en ai ouvertes deux demain, hier. Et bah du coup, il en reste trois. Il reste Évolution Céleste, Règne de Glace et Astre Radieux. Je crois qu'Évolution Céleste, c'est pas mal. Hein. Et je crois qu'il y a des très belles cartes pour le coup. Il y a quoi en UBL? Bah écoutez, il y a Ver de Fer. Alors ça, les amis, ça tombe bien parce que j'avais envie de ne pas le jouer. Ça tombe bien. Vous faites bien d'en parler. Parce que non, ça dégage ça, c'est très très nul. Paume de fer, c'est vrai que par contre je le joue très rarement. Après moi je suis un peu un hater de paume de fer, je trouve que le Pokémon, bon. Il fait pas assez mal quoi. En fait il a pas assez de stab violent pour. Je sais pas. Je sais pas. En fait je pense que c'est surtout. Je pense que je le sous-estime en fait. Vraiment. Je pense que je le sous-estime. Je pense qu'il est pas si nul. Honnêtement.
Franchement, je regarde un peu le méta, je me dis, il n'y a pas de raison qu'il soit nul. Mais c'est vrai qu'il galère un peu contre certains trucs. Genre le set dans Slam, je pense vraiment que c'est fort. Hein. Non, pomme de fer, je pense que le veste de combat, il est trop nul. Mais le seul set que je trouve vraiment pas trop mal, c'est le set dans Slam. Je le trouve vraiment fort pour le coup. Ça, pour le coup, pourquoi pas. Hein. Ça peut avoir son intérêt. En fait, c'est un Pokémon qui souffre un peu du Terra, quoi. Mais surtout, c'est un Pokémon qui se fait statue trop facilement. Genre, il peut se faire empoisonner, il peut se faire brûler. Et les deux, c'est vraiment très relou pour lui, quoi. Du coup, comme il one-shot rien, parce que bah, c'est pas un wallbreaker, tu vois. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, il se fait brûler par Lanceurien, il se fait empoisonner par Predastéri. Il se fait brûler par Flamigator, il se fait endormir par Golet. Il se fait... Ah, il se fait tout, quoi. Il se fait brûler par Motisma. Il se fait brûler par Pyrax. Brûler par Pyrobus. C'est compliqué. Et il one-shot rien, c'est ça le problème. C'est qu'il peut pas wall-break, mais en même temps, il se fait statue. Et du coup, très rapidement, ça s'épuise, quoi. J'ai fait une team sur lui la semaine dernière qui marche super bien. Bah, bien joué. Bien joué, bien joué. Un Pokémon qui est sympa en ce moment, c'est Karchakrok offensif avec Dracometeor. Très difficile à checker. J'étais tombé sur Lefty, sur le Elder qui jouait ça. C'est pas dégueu. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va plutôt bien. Comme un lundi. Comme un lundi. Zoroark de Hisui, c'est vraiment OU ou c'est OU fraudulesque? C'est OU fraudulesque, honnêtement. C'est très très mauvais. Je pense vraiment que c'est très très mauvais. Bah, c'est un noob stomper, quoi. Si le mec en face tryhard, ça va rien faire. Après, c'est fort contre les trucs genre hyper offense parce que. T'es un peu condamné à perdre un poké, quoi. Merci à Marilis parce que tu switches rarement en hyper offense. Mais on est mardi. Bon, on n'est pas mardi. On est jeudi. Ouais, Terra Feu sur Forever, je trouve ça pas mal aussi. Mais bon, c'est vrai que du coup, garder la faiblesse seule, bon. C'est très compliqué. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait le tour des Pokémon à jouer en OU. Hein. Franchement, là, on sent qu'il y a le Pokémon Home qui va arriver. Parce que là, on a vraiment fait le tour. Hein. Je vois pas trop. Bah, il y a un truc qu'on n'a pas joué, c'est Mythe de Fer Specs. Je pense vraiment que ça peut être sympa, ça. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il y a Predastéri à Sauvest. Roue de Fer, t'as déjà joué? Non, j'ai pas joué Roue de Fer, c'est vrai. Après, Roue de Fer, honnêtement, bon, Pokémon ne sert à rien, quoi. Pourquoi pas prendre un Pokémon UU? Est-ce qu'on a en UU qui pourrait être marrant? Cizayox? Cizayox dans le méta. Bah, Pyrax, Pyrobut, c'est compliqué, hein. Gros Mago, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Y'a Palmaval en vrai qui est sympa. Palmaval qui était OU à un moment. Tranchonon est fun aussi. Hein. Tranchonon est très fun. Lucario, Forgelina, Famignol. Ah, y'a une team avec Famignol qui est jouée en ce moment. J'aurais dû lui demander au mec, je crois souvent en plus. Il est sympa. Genre c'est Famignol et en lead c'est Dimoré. Dimoré dans Slam avec Baston. C'est assez fun. Grand nettoyage Famignol, Dimoré dans Slam. En vrai, Dimoré en lead c'est assez fort aussi. C'est assez sous-estimé. Ceinture Force, Baston, Dance Slam, Terra Ténèbres. C'est... Comme c'est pas une attaque de contact, en fait, Baston, bah tu te mets très bien. Après, bon, moi, les Pokémon qui mettent pas les hasards. Sûr que c'est pas une team UU, ça. Non, c'est une team en OU, je m'en rappelle. Le
Merci nitrate de potassium. Par contre, champignon, j'aimerais vraiment qu'il descende en UU parce que j'en peux plus le voir. Il sert à rien de poké. Pareil pour les Argus. En vrai, il y a un Pokémon que j'ai un peu envie de rejouer en ce moment, c'est Malvalam. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Malvalam. Après, c'est vrai qu'il a un speed tier un peu moyen en ce moment. Mais au moins, c'est un vrai counter à Pyrex. Ça fait plaisir d'en avoir un. Et c'est vrai que c'est dommage que Malvalam, il ait une vitesse en fait qui le met pile en dessous de tous les 300, tous les 324, tous les 306. C'est dur, quoi. Il dépasse rien, en fait. Si tu parais sur une team si paradoxe, full setup. Eh ouais. Toi, t'es hype, là. Ah, en fait, il y a encore Fer de Terre en OU, hein. C'est là que tu te dis qu'on est en fin du mois. Hein. Non, mais en vrai, un petit Terra Dracolos, un petit Terra Originum. Un petit Terra Rugilune, la DD Acrobatie, ça fait plaisir ça, ouais, non? J'ai jamais vraiment joué. Hein. Iron Jungle. Iron Jungle, ça existe vraiment ce poké? Ah, et Jugulis. Ouais, après ça, pour le problème de ce Pokémon, c'est qu'il faut réussir en violent, quoi, c'est pas trop pour moi. Les haters de Chapignon restent, mais il ne descendra jamais. Ouais, bah on attend la fin du mois, mec. Iron Jungle, ça fait vraiment le mec qui est stuck jungle avec son Kha'Zix, là. Il est stuck en Iron. Imagine, t'es stuck en Iron. Tiens, un Mascarade, j'ai envie de jouer Mascarade. J'ai plus envie de jouer Mascarade, je me suis rappelé que le Poké était nul. Non mais en vrai vous savez quoi, moi je vais pas me faire. C'est vrai que c'est un Pokémon qu'on a pas assez joué. Son set dans Slam, alors Terra on verra plus tard. Vous pensez Terra Vol ou Terra Feu franchement? Terra Vol non? Ah, l'avantage du Terra Vol, c'est que je pense qu'on gagne contre Corvaeus Iron Defense. Ah, c'est pas mal. Hein. Par contre, il faut un vrai counter à la brûlure, à Flamigator. Ces trucs-là, quoi. Tu vas go Terra Vol, tu vas te faire burn contre le premier Pyrex. Mais justement, il faut un vrai counter à tout ce qui est Pokémon Feu, tous ces trucs-là. C'est quoi le counter à tout ça? Faut que ça avait. À tout que ça avait, c'est counter pas Pyrax. Hein. Au contraire, tu perds. Bah, avec Excalibur, le problème, c'est qu'il vient pas vraiment. Il vient sur la brûlure, ok, mais il vient pas vraiment sur la brûlure. C'est plus compliqué que ça. Pyrobut, c'est sympa. Hein. Pyrobut est très fort dans le méta actuel en plus. T'as Mythe de Fer, mais avec Mythe de Fer, ça fait quand même one shot par un psycho. En fait, c'est quoi la meilleure option pour gérer le Pyrax en ce moment? Est-ce qu'il y a vraiment une option sympa, viable? Ah, il y a Flamigator, quoi. Flamigator, c'est un peu la seule solution. Karcha AV, d'accord. Merci Ball Rocket Grant. Un an de sub avec l'omni du game. Merci les gars! Ah, Serpent O, ça vient pas vraiment sur Pyrax en réalité. C'est un peu triste. On peut tenter de jouer Flamigator, ouais. Un peu une team bulky, tu sais. Un early bulky. Pour jouer une grosse balanced. Le moment de jouer Gigancelle. Gigancelle.
Le pire, c'est qu'il a raison. Hein. En vrai, Gigancelle, là, dans la team. En vrai, Gigancelle plus Pomme de Fer, ça paraît quand même pas trop mal comme duo, je trouve. Content de tes nouvelles cartes ultra rares. Ah ouais, ultra content. Gigancelle, c'est non. Non, mais tu sais, un Gigancelle, voilà, classique, tu vois. Gigancelle, il est là pour mettre les rocks, il chill un max. Vous voulez que je gagne ou vous voulez qu'on s'amuse? C'est ça la question. C'est toujours pareil, à chaque fois que je veux faire une bonne team, oui, non mais ne fais pas ça, tu vas fonder mon icône obscur. On s'amuse, ok, ok. Bon bah on va jouer autre chose. Il y a peut-être un UU qui est sous-côté à hein, ce niveau-là. En fait, je pense que la solution actuellement, sinon, c'est Predastery Bepsy. Ça peut être sympa, ça aussi. Après, est-ce que Pyrax offensif, c'est vraiment joué? En fait, c'est ça le problème, c'est que Pyrax, on sait jamais vraiment quel set ça va être, quoi. Salut, Giorgos. Musique de feu, ça me donne envie d'y rejouer. Ah ouais, c'est le but, hein. C'est le but. En ce moment, j'écoute pas mal de musique de Ocarina of Time et ça me donne trop envie de refaire Ocarina of Time. Quel jeu de fou. D'ailleurs, les gars, j'ai fini une des quêtes principales de Tears of the Kingdom hier. Quel jeu de fou. Quel jeu de fou, les gars. Oh, je pense que c'est mon deuxième jeu Zelda préféré. Quel banger. J'ai fini le jeu, je me sens vide. Ah ouais, bro, le jeu est impossible. C'est impossible que tu l'aies vraiment fini. Il y a trop de trucs. Il y a des trucs que j'ai même pas compris parce que je me suis rien spoil. Il y a des trucs que je ne sais pas ce que c'est. Je comprends pas. Il y a des trucs vraiment je comprends pas. Il doit y avoir un truc que j'ai pas compris. Du coup, je me dis, bon bah, je vais avancer dans le jeu. À un moment, on va peut-être m'expliquer. Peut-être que ce sera les DLC. Genre. J'étais au TK, mais j'ai toujours pas commencé. Oh la chance. Et pourquoi? Ah oui, non, c'est parce que tu m'as fait. Pyrobut. Est-ce qu'on joue Pyrobut Feu Follet? Parce que j'ai vu beaucoup de Pyrobut Feu Follet sans demi-tour ces derniers temps. D'ailleurs, en vrai, je me suis posé la question récemment. Mais est-ce que Pyrobut avec Libero, c'est vraiment meilleur, tu vois? J'ai l'impression que perdre le type feu, c'est tout le temps chiant. Genre à chaque fois que tu fais change côté, que tu deviens type normal, je me dis toujours, ah ouais, c'est quand même bien, bien frauduleux. Il y a beaucoup de pyrobus sans libéraux. Ouais, on est d'accord. Hein. Parce que j'ai l'impression que ce set là, tu vois. Alors est-ce qu'on enlève Kuba ou est-ce qu'on enlève... Est-ce qu'on enlève Kuba ou est-ce qu'on enlève demi-tour? Le mec qui jouait Feu Follet la dernière fois jouait Torche. Ah ouais, ouais. Après j'ai joué contre un hacker là carrément. Je me rappelle pas avoir joué contre un hacker mais bon. Je savais qu'il s'était corrigé mais j'ai quand même lu son message où il s'est trompé. Je suis malveillant. On pense quoi de High Jump Kick sur Pyrobut rien que pour OS ce casse-couille de Baxka? Bah tu one-shot pas, ça je te le dis. Le mot malveillance, il vient de prendre énormément en popularité ces derniers temps. C'est un peu le mot à la mode, quoi. Comme à une époque, c'était swag. À une époque, c'était Kwakubé. Maintenant, c'est un peu malveillant. Ici, c'est de la bienveillance, je vous le dis. Obligatoire.
Vous en pensez quoi, Kuba? En vrai, Kuba sans... Bah en fait, on verra. Je pense qu'on verra en fonction du reste de la team, tu vois. Parce que c'est vrai que Kuba sans libéraux, moi, je trouve pas ça. C'est de l'OU ce soir. Ouais, c'est de l'OU. Bon, ensuite, pomme de fer, pyrobut. Faut un gros fly. Putain, y a pas un Pokémon type vol qui est fort en offense, qui a une priorité, que je joue rarement en plus, qui pourrait avoir un bon Terra également, oh là là, qui peut setup. Aïe, je sais pas là, là franchement, je sais pas, je cherche, mais c'est dur, hein. Oh là là, bon, je vais mettre Dracolos parce que j'arrive pas à trouver autre chose. Vigoroth, ouais, c'est ça, je pensais à ça. Bon, la team a fait plaisir, là. Il y a un petit côté ASMR jaune-orange, tu vois. La team roux. Est-ce que tu penses que le karma va te rattraper après la chatte de fou que tu as eu hier? Mais est-ce que j'ai vraiment eu de la chatte hier? Je veux dire... En fait, depuis que le colis a été envoyé, le destin était scellé, tu vois. Hier, j'ai pas eu de la chatte. J'ai ouvert des cartes qui étaient devant moi depuis tout ce temps. Eh oui! Je suis désolé. Mais hier, je n'ai pas eu de chat. Alors, il faut une Rési Dragon. Il faut une Rési Ghost. Il faut un Breaker surtout. Là, on n'a pas de dégâts. Ouais, un truc que ça avait, je pense, dans la compo, c'est bien. Je suis devenu accro à tout que ça avait. Le tirage aurait pu être bien meilleur, mais ça restait largement correct. Non, mais je veux dire, je sais pas dessus. Ouais. J'ai eu de la chatte quand même. Et je voulais dire qu'en fait, c'est pas hier particulièrement que je l'ai eu. C'est au moment où les cartes ont été créées et qu'on a décidé qu'elles étaient destinées à moi. Mais bon, personne ne m'écoute jamais. Tu dis à un gars qu'on joue Toxa AV en Big 2023, il voit flou. Bah, ça dépend. En vrai. Prélastérie en 8ème génération, ça a été joué offensif. C'était plus en 7G. Je sais plus à quelle époque c'était joué. Je crois que c'était en 7G. C'était joué offensif. C'était genre joué Choice Band dans certaines teams. Les prochains Poké jugés seront Baogian et Spectreval. Ah, mais attends, Spectreval il est pas banni? Moi il me semblait qu'ils avaient dit qu'il serait banni. Mais non. Ah non, tu veux dire que là, ils vont être jugés par le Council. Mais attends, mais c'est-à-dire que le Council, il s'est rassemblé autour d'une table et ils ont jugé Magarna. Et ils se sont dit non. Marrant, ouais. Après, moi, j'ai toujours considéré que Smogon, c'était des fans de Magarna. Hein. Je veux dire, même à l'époque où c'était complètement broken, ils ont fait un suspect test. Je pense qu'ils espéraient au fond d'eux que ça soit pas des bans. Enfin, que ce soit pas ban. Ils étaient en mode, on fait un suspect test. C'est évident qu'il faut le perma, mais on fait un suspect test, on sait jamais, les gars. Après, en vrai, bon, moi je pensais que Serpentho serait banni. Au final, Serpentho, il est dans le méta, hein, et personne n'est vraiment choqué. Non, mais Spectreval, les gars, c'est même pas marrant, en fait. Je pense que c'est pas vraiment d'intérêt. Je pense que ça durera un ou deux jours, Spectreval. Après, au début, le problème, c'est que comme tout va être broken, ce sera pas facile de savoir qu'est-ce qui est le plus broken et qu'est-ce qui est réellement broken. Tout sera broken, on pourra pas vraiment faire la différence. Du coup, ça va être probablement très chiant pendant quelques temps.
On va jouer Lensaurien. Mais alors, quel set? Et en last, il nous faut alors soit un Ferry, soit un Steel. Ah, il nous faut un poseur de rock. Un Steel poseur de rock. Ouais. Alors, un Ferry, mais il n'y a pas. Non, je joue route fer. Hein. Route fer. Vous en pensez quoi de la team là? Sur 10. Est-ce que tu comptes jouer un des deux taureaux un jour? Ah, je les ai déjà joués, mais en VGC. Route fer sur 20. Bon. Ah, je pense que ça mérite d'être tenté. Voilà. Je mets pas Ice Beam sur toi que ça. Ah oui. J'aime pas trop le set bombastique moi. Après, l'avantage du set bombastique, c'est que tu gagnes contre Predac. Avec Laser Glass, tu gagnes pas contre les autres Predastéries. Et dans cette compo, ça peut être sympa justement de stuck des trucs. J'aime bien ta Résigost en vrai. Bah, en vrai, t'aimes bien ma Résigost. Mais au final, Predastéry, c'est une Résigost. Genre, le seul Pokémon Ghost vraiment violent, c'est quoi? C'est Lensaurien Gourmago. Predastéry, ça suffit largement. Hein. Enfin, je pense. Ou alors, on joue Dzinglu en last. Choucroute fer, je pense que c'est peut-être un peu mieux. Peut-être mieux comme ça, en vrai. Là, on est 6-0 sur Serpentot, par contre. Looking. Ah, je trouve que Dinglu c'est un bon check spedef, mais ça sert pas à grand chose d'avoir Dinglu plus un Slowking. Je pense que Golet c'est peut-être. On va tester ça en vrai. On va appeler la team. J'ai paumé.
pas la ref là. Vérifie tes IV sur tes Poké physiques. J'avoue. C'est bon, tout va bien. Oh, je sais. Pokémon Paume. Non mais les gens ils vont pas comprendre. Pokémon Paume. Pokémon Paume est là. Allez, très bien. C'est catastrophique, mais bon, c'est validé. Shockwave, il s'est pris pour Oriana, le gars. Oh non, j'ai l'avatar. Oh non, je suis un dracologue. Oh non, le dracologue. C'est le meilleur streamer de cette salle, Redemption. Oh, Mizuno, mais merci à toi, mec. Le vrai Mizuno. Ça, c'est du brumirage tout craché. Hein? Alors. Pas évident comme lead, mais je pense que Golet c'est quand même solide. Il manque les surnoms. Les gars, est-ce que vous avez vraiment besoin que je mette des surnoms à chaque team? Bon, Pomme de Fer c'est Boob, Pierre au but c'est Bab, Dracolo c'est Boob, Golet c'est Biba, Lanceurien c'est Booby et Dinglu c'est Baba. Voilà, ça c'est bon. Titan, voilà, tout ça pour avoir des beaux games qui s'appellent Titan en face. C'est quoi la prochaine étape? Titan 79 000? Qu'est-ce qu'il fait par contre le Glévodo là? Attends, mais j'ai un gros problème contre Glévodo moi. Pourquoi j'ai pas de switching? We have an issue. Je peux tenter un hard pire au but, mais bon. Ça va faire du bien. Hein. Choice Band ça. Non? Il m'a fait des petits dégâts là. Je vais pas dormir ce soir si on n'a pas les surnoms. Ah bah super, bonne ambiance. Oh, première attaque du live. Alors ça, ça c'est beau putain. Let's go. Tout va bien. Bon, je suis pas convaincu de ce qu'il vient de me faire là. Ça, c'est pour les surnoms. Ah, bah super. Vous êtes sympa, vous. Tiens, il a vraiment envoyé Roi Gada sur un Dracometer. Enfin, sur un potentiel Shadow Ball. Ok. Il y avait plus de chances pour l'opening d'hier. Ouais. Mais bon, on fait avec. C'est la vie, la pauvre Lucette. Il s'appelle Mantra, comme le Mantra Q de Karma. En plus, il s'appelle Shockwave. Un joueur de LoL, le gars. Overgod. Ah ouais, carrément.
Attends, mais depuis le début, son switch-in à Shadow Ball, c'est Scalpreur qui n'a pas les leftos. Donc, optimiste, ça. Il m'a fait mal, en vrai, non? Pokémon paume, Pokémon faible. Toujours plus. Nice. Vous avez vu, ça a accéléré? Parce qu'on n'avait pas attaqué depuis genre 6 tours. C'est rare, ça, hein? Mais attends, mais ça a accéléré, ça faisait que 3 tours qu'on n'avait pas move. C'est bon, le jeu il devient fou. Bon, il n'y a plus de Scalpreur, ce qui est évidemment une victoire. Le problème, c'est que je peux plus enlever les hazards, quoi. Donc si je le laisse Go Forever gratuitement, je suis dans la merde. On va gogoler. Je gogole et puis il google Vodo, c'est parfait. C'est parfait. Alors est-ce que je Terra? J'ai peur de Terra dans cette game, ça me paraît un peu tôt. Je préfère encore sac des Pokémon que de Terra en fait. En fait le problème de Terra, c'est que si je Terra et que je me fais flinch, la game est loose instant. C'est peut-être un peu risqué. La question c'est, est-ce que Pomme de Fer se fait 2 HKO là? 75% de chance, ah ouais quand même. Tu vas continuer l'ouverture des boosters comme hier? Bah probablement semaine prochaine, ouais. On va pas tout faire d'un coup. Ah le play opti, en fait le problème c'est que si je Terra haut et qu'il fait charge glaive, c'est pareil. Pas fou. Il me fait one shot. Il y a quand même de bonnes chances qu'il décide de le faire parce qu'il n'a pas vraiment de raison de taper Icicle Crash là. En fait, la question c'est, est-ce qu'on a besoin de Dinglu là? Je suis pas sûr. Hein. Au contraire. Nice. On va faire un kill pour un kill, mais à la fin, bon, je pense qu'on a l'avantage. Terrorise le ladder. Ah, c'est plus Glevodo qui nous terrorise, mais on fait avec. Hein. Symbolisme. Ah, est-ce que c'est un scarf mythe de fer? Franchement, scarf mythe de fer, c'est quand même vraiment nul. Hein. En fait, le problème, c'est que j'ai besoin de garder mon lance-en-rien, donc c'est vrai que un peu dommage de... Je pense qu'on peut se permettre de gogoler. Pas Colosse, on peut se le permettre aussi. Il a Terra ou pas, mon adversaire? Non, il a pas Terra. Ah là là, je sais pas. Je pense qu'il faut Dracolos là, c'est safe hein. Ah, il est Specs. Il est Specs, donc là j'ai fait un peu un play de merde, mais bon. C'est pas trop grave. On a joué safe. Je pense que c'était play. Merci Zentrox. Conserve Dracolos, il gagne seul. Bah, on va tester ça. Qu'est-ce qu'il fait avec son Wargada là? Il tank? Merde, j'aurais peut-être dû redéder en fait, c'était 100% win. Ça servait à rien d'atterrissage là. Ça peut se jouer de Sea Wave, Wargada. Oh,
En tous les cas, faut que je redédé pour le garde de fer si c'est un Terra Spectre. Moi, je le joue T-Wave Rogada, mais c'est vrai que c'est quand même très rare. Ah! Ah ouais, c'est vraiment... Son game plan, c'était faire des jeux de mots. Soit. I. 560, 364. Terra Spectre Glévodon. C'est bizarre quand même. Nice. Ouah, mon adversaire il est à 1993. Oh, le top 10 du ladder. J'avais même pas vu. Ah, il a un bon GX. Hein. Mais en fait, j'avais pas remarqué vu que je l'ai atomisé. Bah, en fait, moi j'étais en mode c'est un mec normal quoi. Est-ce que t'as vu l'annonce du mec qui a refait les OST de Fus? Non, j'ai pas vu. C'est quoi l'annonce? C'est bizarre, il a joué super. En fait, maintenant que je sais que s'il est genre top 10 du ladder, ça me surprend la manière dont il a joué. Après, c'est vrai que ma team est forte. Hein. Non, en vrai, le problème de ma team, c'est effectivement que si c'était un Glévodo setup, c'était quoi mon game plan? Après, de base, quand tu joues contre Glévodo, c'est quoi le game plan? En fait, il n'y a pas de counter, donc à partir de là... À partir de là, les potes, j'ai envie de vous dire. Bon, on est combien tième? Il va sortir l'intégralité des OST du jeu en juin ou septembre. Mais non! Il va faire toutes les musiques de 1.29? Oui, oh là 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 là, le poulet! Mais c'est quoi ce poulet? Mais c'est quoi ce poulet? Je suis pile centième. Faudrait que je fasse un compte genre 100% tryhard. Voir le GXE que je pourrais atteindre. Si je tryhardais vraiment en Occam Nomic, tu vois. Avec des vrais teams et tout. Du début du ladder. Et Glévodo, c'est vraiment OP. Après, je pense qu'il va être moins OP avec le Pokémon Home. Ah, bah super. On va bien s'amuser. Là. On va bien s'amuser là. Ça va être un bon moment. On regarde juste mes stories Insta. Parce que là, on va avoir le temps de faire d'autres trucs. Hein, je pense qu'on peut le dire. Combien de ladder ton Oppo? Il est à 1792. Donc là, on n'a pas intérêt à perdre. Alors. Comment on va gérer ça? En fait, le problème de notre team, c'est qu'on n'a pas de sabotage. Donc, on peut mettre tous les hasards qu'on veut. S'il a des grosses bottes sur tous ses bloqués, on pourra jamais rien faire. Et ça, c'est un gros problème. Ah, direct ! C'est agressif, ça. Oh, c'est Lefto l'euphorie. Ok. Ça explique pourquoi il est peut-être pas très haut ladder du coup. C'est pas mal en vrai. Ah, ça fait 3 tours qu'on vient de commencer. Pour l'instant, il a fait 3 mauvais plays. Donc c'est plutôt bon signe.
Bon, les picots sont bien meilleurs que les SR. Par contre, les F2 sur Floricla, ça va être très chiant, ça. On va pouvoir le tuer, mais alors très lentement. Je suis même pas sûr qu'on le chip. J'ai un petit doute, là. J'ai un gros doute sur si on le chip, vraiment. Ah, c'est un peu dur qu'on soit pas terra assis sur Ding. On n'a pas de Pokémon dispatché en fait. C'est bon, plus que 21 toupies éclats. On avance. Ça avance fort. Hop là! T'as vu ça? Quand je l'ai lu? Oh, j'ai pas eu de poison. C'était instant win. Oh non, non, non! Pas le 7 pico défense! J'ai envie de me tuer. Vous rendez compte, je suis obligé de pépestole un Floric là. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Hop là. Je suis obligé de faire des outplays les gars, j'ai pas le choix. Hop là, bravo à tous. Nous avons mis dans un jet de picot. Il a fallu 6 heures mais c'est bon, on l'a fait. Prédastéry, qu'est-ce que tu nous cooks? Non, mais c'est quoi cette merde, bro? Oh non, il y a volonté de me nuire, là. Oh, j'aurais pas dû faire demi-tour, en vrai. C'est my bad. Évite de U-turn, je les call en retard. Ouais, ouais, tu la call en retard, ouais. Il a harcèlement sur son Prédastéry. Ah merde, ouais, ouais, ok, tu l'as vu. Ça va être trop chiant. Après, on a pomme de fer, hein, les gars. Pomme de fer, c'est... Il a des vrais arguments dans la game. Hein. Je suis pas inquiet pour le coup, vraiment, parce que pomme de fer peut gagner un peu à lui tout seul. Oh. Thierry qui est en train de sweep. Merci monsieur Théolet. Hop là. Ah, il doit avoir recover et son last. Pff, est-ce qu'il aurait aucune attaque? C'est possible ça? Je crois que le Floricla est Terra Vol. Fais attention. J'y penserai. Ouais. Vous pensez qu'il fait il fait quoi là? Net net non. Houston, nous avons un problème. Là, il double Bad Food Banker, je me fais empoisonner et j'ai perdu. Oh non, le T-Rex. Arrête. Qu'est-ce que tu fais, T-Rex Rebel? Ah. Ah, c'est un peu chiant hein, son talent. D'ailleurs, j'en ai fait un short, je crois. Non, j'en ai fait une vidéo. Métamorphe contre métamorphe. Enfin, contre pomme de fer. Bah, attends, mais il va rien faire. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait mal ou pas? Vous pensez qu'il est scarf? Franchement, je fais vampi point. Hein. Non! Oh, il a tenté! Oh non! Oh, j'ai failli. Ça aurait été horrible! Oh là là, j'y ai pas pensé du tout en plus. Oh là là! Oh le saligo!
Ok, bon, on a quand même fait un petit trou là. Hein. On a fait un petit trou. En fait, le fait qu'il joue pas les grosses bottes sur l'euphorie, c'est horrible pour lui. Il a vraiment fait son tour de sommeil là. Hello, it's me again. Oh oui! Oh oui, 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 oh oui, oh oui, oh oui, oh je dis pas non là, ah je dis pas non. Le grid, oui, allez FF mon gars, let's go, merci pour ça mon pote, 6-0, allez hop à la maison les joueurs de stall. Ah, quel plaisir, quel plaisir. En vrai, je suis un peu troll, mais bon. Ah, quel plaisir. Alors, on bat le dixième du ladder en l'atomisant. On enchaîne contre Hardstall. Et on le 6-0. Attention, les amis! Attention, les amis! On est en train de passer un bon moment, là. Je suis pas fou. Je suis pas fou. On est en train de passer un bon moment. Faut que je fasse gaffe, là. Faut que je fasse gaffe. Je dis pas que j'ai passé un bon moment parce que sinon je vais perdre. Donc je dis juste que attention. On est proche. On n'a pas encore perdu. Franchement, la team est sympa. La team est vraiment sympa. Après, on joue pas contre des enfin, je sais pas. Ça mérite plus de tests, quoi. Comme quoi, fallait pas prendre Gigancelle. Ouais, mais attends, parce que là, on a fait 3 matchs. Hein. Je veux rien dire, 3 matchs. On a toujours pas les surnoms. Mais en fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être les surnoms, en fait, qui sont maudits. Et quelque temps, tu as sorti une vidéo où tu parlais de l'IA et Pokémon. Et bah, il y a un mec qui en a créé une. C'est sur YouTube. Oh bah, des IA Pokémon, il y en a depuis longtemps. Maintenant, c'est pas... C'est ce qui sera intéressant. En fait, c'est vrai que là, maintenant que l'IA a vraiment explosé ces derniers temps, ça pourrait être intéressant un peu de voir ce que les IA sont capables de faire dans des matchs stratégiques, vraiment, si l'IA, elle est développée à fond, quoi. Ainsi, voilà, salut Cassie June. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une espèce de son avec un fort... Brutalbean, là, je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Brutal, non. Brut bonnet. Il y en a des dizaines, mais il n'y a que Bullycrock pour perdre contre Scrappy. Bah, en vrai, je pense qu'il y en a des bonnes. Hein. Moi, j'étais tombé sur une IA qui n'était pas horriblement nulle sur le ladder. Dans le sens où elle faisait que des plays ultra anticipables, mais elle faisait pas d'erreur, tu vois. Elle faisait que des plays ultra anticipables, mais elle faisait pas d'erreur. Genre, par exemple, t'avais un Finobi, et il avait Tangrowth ce vaisseau de combat. Il allait envoyer Tangrowth ce vaisseau de combat. Enfin, à chaque fois, il faisait le play le plus logique. Mais c'est juste que, bah, en fait, tu peux pas perdre parce que si tu sais son pattern, t'as juste à anticiper. Vu qu'il jouera toujours de la même manière. En fait, le problème de l'IA actuellement, c'est qu'ils sont pas capables de comprendre qu'on est en train de les comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Là où l'IA va devenir intéressante, c'est quand elle comprendra qu'on comprend sa manière de jouer et qu'elle va s'adapter justement au fait qu'on comprend et qu'on le comprend. Et là, bah, là, ça va être incroyable. Et je pense que c'est déjà possible. Hein. Peut-être que juste il n'y a pas assez de gens qui se sont intéressés à ça. Qu'est-ce que je lead? On a pas mal de trucs sympas à lead. Je pense que le bon lead c'est Lanceurien parce que ça nous permet d'avoir un truc sympa contre Serpentot.
Il va aller de Fongus Fury. Alors, est-ce que je Terra demi-tour? Alors, pff, non, on va juste goaler, je pense. Alors, il va faire Irkupa, logique. Je peux taper Spore. Alors, le problème de Fongus Fury, en fait, le truc, c'est que là, soit il Terra Feu, il me tue pas, soit il Switch. Donc, Spore est assez gratuit, en fait. Donc, j'endors le terrestre. Alors, endormir le terrestre, c'est pas très utile. Mais ce qui va être intéressant ici, je pense que ça va être le double Dinglu. Je vois pas trop comment il peut go serpente haut alors que j'ai golé, tu vois. À mon avis, il va peut-être même stay in sur son terrestre pour faire un tour de sommeil. Et go charton. Ok, donc c'était le play que j'avais anticipé. Et contre Charter, le seul play c'est spam séisme, je pense. Parfait. Et la pique, les pièges sur lui. Nice, ok, bon, c'est parfait. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, le problème ça va être ce truc. Comment on gère? Parce que c'est vrai que moi je suis même pas au courant que ça existe, donc j'ai pas trop prévu de counterplay. Est-ce qu'il est bande déjà? On n'a pas l'info ça. On a golem, mais si c'est terra explosion ou terra feu, ça va faire mal. Hein. Le play safe, c'est go Dracolos. Parce que dans tous les cas, Dracolos n'a pas un bon matchup. Il y a un Corvaeus. Le problème, c'est que Dracolos, on en a besoin pour Serpentot. Je peux go Pyrobut. Mais derrière, je meurs de coup bas. Mais j'ai feu follet. Ouais, Pyrobut, c'est pas mal. Il est orbe vie, donc là on peut vraiment faire tranquillement feu follet. Parfait. Bon, ok, le mode hardcore qui commence. Le mode hardcore qui commence. On va faire demi-tour. Merci Jorythme. Le karma. Le karma. Là le karma. Là t'as dit. Là c'est un truc au hasard. Message au hasard ban. C'est comme ça. Désolé, mérité. Désolé, mais quand je me fais axe et qu'il y a un mec au hasard dans le chat qui dit le karma, bah ça dégage. Allez, 10 minutes. Le karma pourquoi? D'être né? J'ai rien dit, j'ai rien fait. Le karma dura. J'ai la rêve personnellement. Je suis pas sûr que tout le monde dans le chat là, mais personnellement j'ai la rêve. Voilà. Tic tac. Si The Cake 60. Vous vous rendez compte, je joue ultra bien la game et feu follet mis. Envie de feu. Bon allez, faut pas se perdre espoir. On est quand même devant. L'adversaire a pas l'air d'être très fort au jeu. Faut juste chill. Y a aucune raison de paniquer. Même si c'est vrai que c'est quand même dommage. J'ai quelques petits lags par contre, c'est un peu relou. Il est orbe vie. Il va sûrement vouloir faire Kuba, mais il sait que je vais switch. En vrai, il va probablement pas faire Kuba. C'est presque sûr. Le mec est derrière. Il a aucune raison d'aller sur Fonguzor pour faire Kuba. Mais dans tous les cas, en fait, je suis bloqué sur ballon. Il le sait. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait. Non, il va sûrement. C'est quoi l'attaque ténèbre de Fonguzor? Il va sûrement faire une attaque ténèbre. Il faudrait go pomme de fer là. Ça me paraît clean. Hein. J'ai pas trop envie de chip mon golet alors que c'est mon switch in Serpento. Il a fait quelle engraine? Il a fait canon graine. Ok. C'est pas très grave. Alors, juste un petit point. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de jouer Brut Bonnet en vrai pour le coup. J'avoue que le Pokémon m'a l'air vraiment pas fou. Pyrobut. Je pense Pyrobut c'est pas. Enfin, en fait tu me diras Pyrobut il.
peu. Et justement fort en fait dans le. Dracolos. Je pense juste Dracolos. Hein. Oh bah les dégâts, waouh. Suiverne, what? Bon, faut pas sous-estimer ce truc. Après là il joue plus vitesse donc il est sûrement specs. Le terrain normal. Juste pour le mettre en range de n'importe qui l'attaque. Après je pense pas que ce soit très utile. Je pense que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste go sur Pyrobu. Je crois que je perde sur Timer non plus. Je vais goler en vrai, ici. Goler, ça me paraît bien. Je l'ai gardé pour lui, juste pour checker un peu. Ok, fait Dracometteur, il est bien specs. Il est bien specs. Donc là, on peut juste séisme. Comme ça, le Fungozo Ichi un peu. On sait que le golet il sert à rien. Ce combat. Parfait. Maintenant, on peut envoyer le Dracolos. On speed. Et puis, c'est tout fait. C'est du tout cuit. Il a Terra ou pas, mon Lopo? Pas Terra, hein. Attention. T'as pas cliqué Cyclone depuis le début du live. Mais les gars, vous pensez vraiment que toutes les attaques que je joue sont faites pour être cliquées? C'est des attaques, parfois, qui sont là pour quelques rares situations. C'est pas si simple, hein. Ah, Terra fait. Oh, ça me tue même pas du coup. Oh, mais du coup, j'ai Brasier qui va être boosté. Je le one-shot. Enfin, je pense. Enfin, pas un très bon bulk. Oh, bah, Terrestre, par contre, lui, il va disparaître. Hein, je vous le dis. Bop. Oh. Eh, hey, respect. Bravo. 4 matchs, 4 victoires. Eh, franchement, la team, elle tourne. Hein. La team, elle tourne plutôt bien, je trouve. J'aime beaucoup. En plus, on s'est fait axe, donc franchement... Après, on joue très bien, faut le dire. On est à 1901. On est à 1900 piles, même. Vous savez qu'on est que à... 160. Ils pètent les couilles, les mecs, les trois premiers, là. Vous voulez pas, genre, juste descendre un peu? On a le droit, un peu, avec des offenses, de monter. Parce que tu peux top 1 ladder avec offense, mais tu peux pas vraiment si c'est à 2060. Quoi. C'est juste trop dur. Faut jouer des teams plus boring. Là, on est à peu près au moment du live où on va probablement commencer à galérer. Parce qu'on est arrivé à un moment où on a probablement fait la boucle du ladder. Et peut-être qu'on va croiser des mecs qu'on a déjà croisés, des mecs qui regardent peut-être, qui connaissent la team, des trucs comme ça. Quoi. On est contre un joueur à 1982 de ladder. On est contre Monster Zero. Oh, 84% de GXE, donc c'est un des meilleurs du top. Ok. Bon, on a exterminé le top 10, on peut le faire. On peut exterminer ce mec-là. Notre team, elle est stylée. Il n'y a pas de scalper, c'est le plus important. Il met pas le timer, ça c'est sus. Après, il est sur la room lobby. Donc, c'est vrai que les gens qui sont sur la room lobby n'ont pas très sus en général. Est-ce que c'est toi qui build la team? Ah, c'est toujours moi qui build ma team. 99% du temps. Je voulais dire, il n'y a pas de gigantesque. Non, comment il s'appelle? Glevodo. Le G-Word. Le G-Word qui est venu dans ma phrase.
Bon, le meilleur lead, c'est très probablement Golet. Hein. Enfin, c'est toujours chiant parce que malheureusement, il joue. En fait, j'allais dire, est-ce qu'on vire Bainsmog pour mettre Tricherie? C'est mieux, non, sur Golet. Et dans tous les cas, tu perds contre Gros Mago, en fait. Dans tous les cas. Ok, bande Lensaurien. Intéressant. Glévodo, il fait une DD, il atomise la team. Ah ouais, non, contre notre team, c'est quelque chose. Alors, Gros Mago, il va peut-être vouloir trick. Le play safe, c'est Gopyrobut, je pense. Nice. Ok, il n'y a plus d'items sur Gros Mago. Et nous, on a récupéré un mouchoir choix qui est pas trop mal. Ça me met plutôt bien, ça, franchement. C'est un bon début pour nous. Bon, le problème, c'est que le Gros Mago, il a chopé les grosses bottes et je pense qu'il doit avoir soin quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va goler. Comme ça, on a les Vitis Spike. Et puis, on va juste Giga Sensu, je pense. Non. Chip le Gros Mago. Alors, est-ce que c'est un Gros Mago soin? Très certainement. On va re-Giga Sensu, je pense. Nice. Parfait, ça. Bon là on est dans sa tête. Là l'adversaire il vient de comprendre. Là c'est le tour où l'adversaire vient de comprendre que je suis meilleur que lui. Que je le domine de tout mon être. Donc là il va jouer différemment. Parce que là il y a la frustration maintenant. J'ai joué suffisamment de games dans ma vie pour savoir qu'au moment où tu comprends que tu te fais outplay, tu joues très très différemment. Et tu joues pas forcément mieux. C'est ça toute la particularité. Ok, Isaac Motissima. Moi je chope le mouchoir choix. Mais ce qui est pas trop grave... Golet, c'est vraiment pas trop grave. Il y a juste un truc qui m'embête, c'est s'il tape tout pied éclat, quoi. Après, enfin, de quoi j'ai peur, là? C'est ça le truc, de quoi j'ai peur? S'il stack les hasards, moi j'ai pire au but. Ouais. Oh, ok, tu vois, là, il commence à tilter, là. Là, il commence à être tilt, il est énervé, là. Là, je l'entends, il est énervé. Le mec est top 10 du ladder, il chill, il extermine tous ses oppos et là il tombe sur un goat. Il comprend pas. Bon, le problème c'est qu'il a un scalpreur. Et il y a une théorie, mesdames et messieurs. Si scalpreur tu possèdes, victoire tu possèdes. C'est Confucius qui disait ça. Donc tant qu'il y a scalpreur, moi j'ai pas gagné. Hein. Qu'est-ce que je peux faire de marrant là? Bon, en vrai, on peut go Dinglu cette fois-ci, je pense. Il n'y a plus le double Motisma. La pruée d'or, c'est parfait, ça. Alors là, il va gros... Enfin, je veux dire, il va probablement gros Forivore. Merci à l'épouvantail. Épouvantail. Très certainement qu'il va go Forivore. Je pourrais taper Séisme. Mais il y a un play qui est pas mal, là, je pense. C'est... De double pire au but. Ça, si stain, je suis safe. Si go lance rien, ça me fait pas parce que je suis scarf. Si go for reward, j'ai un feu follet plutôt moins gratuit. Là, il croit qu'il m'a outplay. Il se dit merde, il a choke. Donc il va probablement stain. Après, il sait peut-être que pire au but est beaucoup joué feu follet en ce moment. Puis go floor éclat pour check. C'est bien joué. Nous, ça nous arrange parce que comme ça, on peut chip le fleur avec là. Et ça nous empêche pas de gogoler. Radovac qui fait très mal. C'est un spex fleur éclat. Ah ouais. Ça, je l'avais pas vu venir. Ah, c'est marrant ça. Pourtant qu'il nous empoisonne pas avec Sludge Wave, on est safe. Hein. Les modes hardcore qui commencent maintenant. Le mode hardcore qui commence maintenant, c'était très facile. Maintenant, c'est beaucoup moins facile. La game va devenir très difficile parce que Dinglu, c'est notre meilleur Pokémon du match. C'est un 10%, on rappelle Cradovag.
Donc la probabilité de poison est extrêmement faible. Mais bon, que voulez-vous? On va double lance-orien, je pense. Parfait. Et DM. Si on mise pas, il y a forcément un poké qui prend très cher. Parfait. Je pense pas que Gromagotera fait ça existe, donc on peut DM double. Nice. Ça va être difficile, mais c'est pas perdu. On sait rien qui est de retour. On a vu qu'il était band. Est-ce que j'ai encore besoin de Dinglu dans cette game bof? Je pense qu'on peut se permettre de l'envoyer. Dracoflèche. On sait qu'il est bloqué sur Dracoflèche. On peut pas trop gogoler. On est obligé de sac. On sait qu'il est bloqué sur Dracoflèche. On peut probablement go pomme de fer et juste Ice Shard. Ça me paraît assez gratuit. Il faut faire gaffe parce qu'il y a Floric là, il peut mettre les T-Spike Nessim, les T-Spike Zigolé pour les enlever. Petit Ghost Scalper, je suis là. Go for River, je le chip. De faire, c'est pas mal, je pense. Est-ce que Dracoflèche me 2H KO? Je pense que non. On tue pas, malheureusement. On freeze pas. C'est pourtant 10% aussi. Mais bon, que voulez-vous? Ah, ça me fait chier de sac pour me faire. J'en ai besoin dans cette game. Est-ce que j'ai encore besoin de goaler? Bof. Hein. En fait, le problème ici... Non, ouais, je pense qu'on va juste sac goaler ici. Oh, le double forivoir. Ça va bien, ça. Ça va bien, ça. Il y a Scalpreur. Juste Giga Sensu, je pense, là. Ça tue. Ah, ça tue pas. Ça tue pas. Ok. Nice. Là, il peut pas go Floric là, sinon il meurt. Ouais, c'est bien joué. Il prend son sac, son slip fodder sur le lance-orien. Là, il faut que je go pire au but, je pense. Nice. Pas miss. Ok. Attention, parce que le scalper peut être terra-feu. Hard Dracolos. Nice. Séisme. Ok. On re-séisme. Let's go! Bim! Et c'est le FF! Oui, mon gars! Extermination, destruction, atomisation, mon pote! Malgré le axe, je lui ai montré à ce mon petit pote là, top 18 ladder qui me axe, ça dégage. Sucker God. Oh là 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 là, mais je suis en feu ce soir! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est une masterclass. Allez, je prends le replay. Ouais. Ojama t'a mis dans les meilleurs joueurs FR de l'histoire, je comprends pourquoi. Bah après, Ojama, bon, voilà. Il avait tout intérêt. S'il me met pas dans les meilleurs joueurs de l'histoire, ça veut dire qu'il a perdu contre un random. À la grande époque. 1926. Ok, on est 37ème. T'as bien fait de jouer ma team. Ah ouais. Alors je vous rappelle que ce soir, on joue la team de Professeur Tenma. Non, non, non. Par contre, je sens que là, il y a des gens qui vont la jouer. En vrai, la team est sympa, mais... On n'a pas eu les mauvais match-up, quoi. Oh, le retour de Shockwave.
Alors, est-ce qu'il est monté dans le ladder depuis tout à l'heure? 2018! Ah! Oh non, il est sixième maintenant! Attends, mais en fait, je suis le seul mec à le battre sur le ladder, apparemment. Je suis le seul mec à le battre. Bon, le problème, c'est que maintenant, il connaît ma team. Et surtout, il a Glevodo. Donc là, il connaît ma team, et en plus, il a Glevodo. Donc, je vais pas pouvoir le surprendre avec le pyrobut. Oh, ça va être compliqué, là. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de points à perdre, vu que c'est lui, le mec au ladder. Ok. Bah écoutez, je vais mettre un petit have fun, parce que sinon, si vous êtes... Si le mec en face est le seul mec à mettre have fun, et que vous répondez pas, vous partez avec la méchanceté, tu vois. Ou le respect est très important pour avoir le axe de son côté. Alors... Ouais, ne jamais mettre good luck. C'était quoi déjà sa team ? C'était un spec smith de fer. Ouais, nous aussi on a les infos, tu vois. C'était spec smith de fer, son garde de fer, on n'avait pas l'info, je crois. Il me semble. Son fort et voir était un classique def sans cryo pirouette. Normalement, si on joue bien, on gagne avec Dracolos. Normalement. Maintenant, c'est à nous de jouer. Il va sûrement lead directement sur le Glevodo. Je pense que le play safe, c'est juste d'envoyer pomme de fer. Voilà, parfait. Tranquille. On va juste taper Vampy Point. C'est pas très safe parce qu'il a 600 switching, mais bon. On peut pas trop se permettre, en fait, malheureusement, de le laisser, donc. Un peu un play nul, mais... Et derrière, le fort ivoire, bon... Il fait pas grand-chose, quoi. Est-ce que ça va double direct? Ça paraît quand même assez étonnant. Il va mettre ses rocks. Bon, là, il y a un poké qui dort. Ça va être le roi Gada. Très probablement qu'il va go Glevodo maintenant. J'ai bien envie de bombe Burk. Parfait. Comme ça, je peux peut-être choper un poison, c'est 30%. Let's go. Alors après, est-ce que ça m'arrange? Ouais, ça m'arrange. Je pense que c'est quand même plutôt dans notre intérêt. En fait, le problème ici, c'est que j'ai pas vraiment de switching, comme je vous ai dit, mais du coup, on a le poison, donc ça, c'est pas mal. Je peux pas sac Dracolos. Est-ce que Golem meurt? Oui. Je peux pas go Pyrobut parce que je prends un charge glaive qui me one-shot et j'ai besoin de garder Pyrobut. J'ai pomme de fer, quoi. Mais pomme de fer, est-ce que j'ai... Enfin, j'ai plutôt intérêt à garder pomme de fer alors qu'il y a 4 heures. Là, on est vraiment dans une situation compliquée. Ce que je peux faire, c'est go Dinglu, le sacrifier. Comme c'est ce qu'on avait fait dans le match d'avant. Mais là, il y a mythe de faire full life. Je pense vraiment que Dinglu ne fera rien dans ce match-up. Ça fait deux fois là. Et à mon avis, il fait charge glaive. Comme ça, on prend deux tours de poison. Il est déjà en range des crimes speed terra. Rien, on peut juste go pyro but turn. Et tout va bien, mon pote. Est-ce que le demi-tour de pyrobut? Non. Ouais, ça tue large. Je peux go lance rien. Est-ce que go pyrobut c'est vraiment un bon play? Je peux faire change côté et je meurs en retour. Pour moi, lance-orien, c'est pas mal là. Mais le problème de go lance-orien, c'est que tu ouvres un double switch potentiel. Si je go lance-orien, Shadow Ball, ok. Mais si Go Scalper est derrière qui double Glevodo, bah, il a re-un kill. Et là, je prends deux Poké de retard. Et deux Poké de retard dans ce match-up, ça peut faire mal. Le problème, c'est que si je go Pyrobut, je vais peut-être juste lui permettre de switch et Momentum, ok, mais on va pas égaliser quoi. Fait que vous connaissiez chacun les sets de l'autre, avantage un joueur en particulier ou pas? Ça l'avantage probablement plus lui, ouais. En fait, ça avantage toujours le mec qui a perdu, tout simplement.
Parce que le mec qui a gagné, ça veut dire qu'il a gagné sans connaître les sets de l'adversaire. Mais du coup, il y avait égalité à ce niveau-là. Mais maintenant, bah, tout ce qui peut arriver, c'est que lui gagne. Toi, bah, de base, t'as gagné. Donc tu sais que ça va forcément au moins te désavantager. C'est juste logique. Bon, il va rager si je joue pas. Je pense qu'on va juste go. En fait, si je go lance rien, il go 100% roi gada. Je pense qu'on va juste taper un switch pire au but. Et je pense qu'on va juste ballon brûlant en fait. Ballon brûlant, c'est bien. Hein. Critique, c'est sympa. C'est un play qui est plutôt pas mal. On brûle le feu revoir tranquillement. Là, on va juste faire ballon brûlant. Il va sûrement spin. Voilà, il va remettre les rocs, c'était sûr. Est-ce que je suis sur ce côté? Ouais. Je loot play chaque tour là. C'est assez violent. Faut pas se reposer sur ses lauriers. Est-ce que je peux tuer là? Si je terra, je le tue, mais je pense pas que ce soit intéressant de terra maintenant. Et Rock, je m'en fous en vrai, non? Je pense là, on fait juste pyro. Hein. Parfait. Et Rock, je m'en fous. En vrai, ça m'arrange justement d'avoir posé mes propres rocks. Et là, faut turn. Mais turn into quoi? Turn into bombe de fer, tout simplement. C'est safe, y'a rien qui vient. Après, il a pas encore Terra, quoi. Donc, Glévodo meurt sur poison plus SR. Lui, on sait qu'il est specs. On tank, mais. S'il est Terra fake qui fait éclat magique, je suis pas sûr qu'on tank. Puis, on a envie de garder pomme de fer dans tous les cas. Pyrobut n'est pas extrêmement utile en réalité là. Je pense que c'est Pyrobut qui dégage là. Il est bloqué sur Psycho, alors est-ce que je DD maintenant? Est-ce que je DD maintenant? Juste go lance rien à Shadow, mais c'est un peu nul quoi. Alors, je pense qu'on DD hein. On go Dracolos, on DD tranquille. Juste pas avoir l'aspect drop sur Psycho, ça pourrait être relou. Mais bon, son Roigada d'or, son Glévodo meurt, son... Est-ce qu'il va hard sur le garde de fer? S'il fait ça, dans tous les cas, j'ai mon golet. On est sûr qu'il est Terrafeu, le Scalpreur. Qui avait Terra la game d'avant? C'était Scalpreur, hein. Terrafeu, je crois. Ou Terravol, peut-être, je sais plus. Ah non, c'était Terra Glace Glévodo. C'était Terra Glace Glévodo. Donc on n'a pas l'info du Scalpreur. Après, en ce moment, c'est souvent Terra Feu quand même. Et là, c'est commence à devenir difficile parce que forcément, on commence à croiser les mecs qu'on a déjà croisés plusieurs fois. Parce que forcément, le top ladder, il n'y a pas énormément de joueurs. Donc là. C'est le moment un peu tendu. C'est ça qu'on appelle être un ovni, c'est ça qu'on appelle être un ovni. Ok, mode hardcore activé. Ça commence. Tous les matchs sont très faciles et deviennent à un moment durs pour aucune raison. C'est encore un 10% hein, Psycho. Alors il me tue pas, à moins que ce soit Terapsy, mais je pense pas que ce soit ça. Son play était super nul. Oh non, mais là il perdait instant. Après, je pense qu'il s'est dit, comme j'ai perdu, autant tenter l'aspect drop. Bien joué à lui, hein, pour le coup.
Bien joué à lui. Merci Yolan. Je pense qu'on va juste séisme ici. Ah, j'aurais pu redéder, c'est dommage. Mais bon, dans tous les cas, enfin, je sweepais pas là. Avec garde de fer. Hein. Alors garde de fer qui n'est pas énergie booster. C'est pas une bonne nouvelle ça. Là, le problème, c'est qu'en fait, si je le laisse double scalpreur, comme j'ai pas de sleep fodder, ça peut être très chiant. Voir lunaire. Alors, est-ce qu'il est specs? Il a l'air scarf. Bon, il est clairement scarf. On va faire giga sensu, je pense. Comme ça, on s'ouvre un peu la régène, on le met en range d'extrême vitesse. Il va juste se spammer pouvoir lumière, je pense. Non, il gomite de fer. La game est beaucoup plus dure que prévu parce qu'on s'est fait axe, mais c'est pas encore perdu. Probablement qu'on va juste sac lance rien, en vrai. Honnêtement. Pas trop le potentiel du poké, là. Est-ce qu'il est en range d'extrême vitesse là? J'ai un doute. Hein. Allez, on go lay. Ah, c'est dommage, hein? C'est dommage, on avait instant win. On va peut-être perdre sur un 10%. Mais bon, c'est Pokémon. Depuis le début du live, tous les matchs sont plus compliqués grâce au Axe. J'ai envie de dire, au moins, ça crée du suspense. Parce que c'est vrai que sans le Axe, depuis le début du live, il y a zéro suspense. C'est humiliation en boucle. Au moins, on a un match, quoi. Double pomme de fer, bah, je sais pas. Là, il va 100% spam avec la magique jusqu'à mourir, je pense. En fait, le truc, c'est que Scalpreur... Oh là là. En fait, j'ai du mal à comprendre là. On est d'accord que son roi Gada il a pas laser glace, on l'a vu tout à l'heure. Pas de réveil tour 1, s'il vous plaît. Nice. Ok, 3 tours de sommeil, ça fait plaisir par contre. On va pouvoir passer à l'attaque un peu, c'est one shot. Alors il one shot pas, hein. Probablement pas en tout cas, à moins qu'il terra. Est-ce que point éclair tue? Probablement. Le problème étant évidemment. Est-ce que. J'ai envie de laisser mon pomme de fer se faire chip. Je pense pas. Parce qu'on va juste goler ici. Sans aucun risque. Il fait choc psy. Il fait zéro dégâts. Bah là. Juste faire choc, enfin juste le bomber, je pense. On veut pas sport parce qu'on veut pas lui donner un sleep fodder en fait. Sinon il set up derrière, c'est pas fou. Il de faire on va sac je pense. Et il fait psy quoi. On a pas l'info de son set de scalpreur. Le match où ça va terra vraiment au tour du tour du tour du tour du tour. Là.
plus, il est à 2018, donc là, si je gagne, je me mets bien. C'est rare, les matchs de ladder entre deux mecs qui sont dans les 2000. Allez, pas de speedrop, s'il vous plaît. Nice. High speed direct, je pense. Nice. Alors lui, il doit me détester, par contre. Il doit me détester. Il est en train de faire un top 1 ladder depuis tout à l'heure. Il m'a affronté deux fois, je l'ai battu deux fois. Le pauvre. Ok. En fait, je pense que j'avais peur depuis le début. Son scalper, il a l'air d'être... Il a l'air d'être bande, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être un scalper blanc. Le mec, il a 95% de win rate, c'est Delou, c'est toi. Ah, mais ce soir, on est en feu. 1951. On est du coup... Pourquoi le ladder qui est en match, il est pas pareil que le ladder que j'ai là? Par contre, le GXE que tu gagnes quand t'affrontes des mecs très haut ladder, c'est insane. Genre là, j'étais à 75 au début du live, je suis à 78. Ça va très vite quand tu travailles. On avait vu qu'il avait pas les leftos. Ouais, mais en fait, le fait qu'il ait pas les leftos, ça veut pouvoir dire qu'il est peut-être Loomberry, tu vois. Loomberry, c'est assez fort sur Scalper. Mais là, c'est vrai qu'il avait l'air bande. Du coup, j'avais pas trop de raison de m'inquiéter, je pense. Tu vas bientôt dépasser Ojama. Attends, je dois essayer de reconnaître le pseudo d'Ojama. Ça peut être ça. Ah non, c'est lui, Kinetic Chain. Oh non, mais en fait, il utilise toujours le même pseudo. Ah oui, je suis à 1 point de Kinetic Chain. Oh, le duel des titans. La team est solide. Ah, la team est solide, mais après, encore une fois, on a de la chance de pas tomber sur Glevo 2 DD. Hein. Honnêtement, honnêtement, on a de la chance. Hein. Mais là, ce qui est bien, en vrai, avec ce live, c'est qu'on affronte des mecs très haut ladder. Donc, on n'a pas la pression de se dire, si je perds, mon rush, il est terminé, tu vois. Genre, c'est des vrais matchs. Comme à l'époque, quand je tryhardais de ladder à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de monde sur le ladder. Et en fait, quand tu lançais une game, tu savais que ça allait être un match à couteau tiré, tu vois. Et le DD face à quoi contre ta team? Bah, en fait, le truc, c'est que... Il peut DD contre... Ouais, on va non. En fait, il peut DD si... C'est pas le fait qu'il DD qui est problématique. C'est le fait qu'il pourrait DD. Par exemple, il va envoyer son Glevodo. Il peut DD. Mais moi, je suis obligé de rester parce que je peux pas le laisser DD. Mais du coup, s'il fait ça, bah, il peut attaquer et me tuer. Sauf que moi, bah, j'ai pas envie de perdre des pokés. Donc je suis dans un dilemme en fait. Est-ce que je reste pour l'empêcher de faire DD? Mais sauf que s'il fait pas DD, je perds un Pokémon gratuitement. Tu vois, c'est ça le problème de Glevodo. C'est que... Il met une grosse pression. Alors effectivement, il peut pas vraiment DD, mais ça veut dire qu'il sacrifie... Enfin, je sacrifie un Pokémon. Contre Golet. Non, mais même contre Golet, en vrai, j'ai Clear Smog. Et... Ça va, tu vois. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que, voilà, je peux pas me permettre de sacrifier des Pokémon. Je joue pas une hyper offense. Hein. Bon, j'espère que je vais croiser des mecs que j'ai pas encore croisés. J'espère que je vais pas croiser Stall. On va attendre un petit peu avant de relancer. On parlera de faire des tournois Smogon avec un nouveau pseudo quand ton ancien a été ban. Non mais moi je suis plus ban de Smogon depuis super longtemps. J'ai été ban de Smogon pendant 3 mois. Hein. C'est pas non plus... Même si c'était pas mérité, ça, ils ont pas non plus été méchants. Tu vois. Bon, ils ont été méchants dans le sens où c'était pas mérité, mais voilà. Mmh. D'ailleurs... Ils ont créé une nouvelle règle sur Smogon. Tu n'as plus le droit de stream tes tournois Smogon Tour, etc. Enfin, t'as le droit, mais seulement avec 2-3 minutes de délai. Donc nous, c'est un peu chiant. On va pas se mentir, c'est un peu chiant.
Je parlais pour Kinetic. Ah oui, Ojama. Non, mais Ojama, je pense qu'il sera plus jamais déban pour le coup. Je pense vraiment. Je pense que... Ah bah alors là, tu vois, typiquement, on est contre quelqu'un qui a 1669 de ladder. Donc si je perds, je prends moins 39. Là, tu vois, si je perds, le rush est terminé. Instant. C'est fini. Si je gagne, je gagne 5 points. Donc, là, c'est un match, dans tous les cas, je serai pas gagnant. Là, c'est juste Showdown qui me met dans la merde, tu vois. Les bonnes règles pour être bien sûr que la strat poké ne soit jamais hype. Bah après, le délai, en vrai, quand tu tryhard la strat, j'imagine que c'est pas trop grave. Hein. Faut quand même les comprendre. Je suppose. Hein. Mais j'imagine que c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ok. Bah on va essayer de gagner. Hein. Bon, l'avantage c'est que du coup probablement qu'il est moins fort que nous, mais... Il y a un Glevodo quoi. Il y a un Glevodo, il y a un Azumarill, il y a beaucoup de Pokémon qui me mettent vraiment dans la merde. Ça va être très compliqué. Hein. En plus il dit d'Azumarill directement. Ok. Ok. Bah tu vois c'est marrant là. On passe un bon moment là. On passe un bon moment là. Bon, il n'y a plus de Terra. On a perdu Dinglu. Honnêtement, Dinglu servait à rien. Donc, je pense que le trade est extrêmement bon pour nous. Attends, lui, je sais pas comment le gérer. Hein. Ça va être très chiant. C'est pas normal ça. Pourquoi il m'a heal? C'est quoi ce Azumarill fatigué là? Il est fatigué là. Il est fatigué Azumarill. Oh non, Golevet. C'est quoi ça? C'est quoi ces Poké là? Wow. Oh non, il gagne le duel du coup, c'est chiant. Hi. Pas de poison, pas de poison, pas de poison. Ok. Bon, l'avantage c'est qu'il a plus le Terra, donc maintenant bonne chance à lui. Ça a l'air d'être un Azumarill veste de combat, ouais, avec sa Psyper potentiellement. Ou Isogress. Ah, il sacrifie Golet. Bon, tu vois l'avantage de jouer contre des mecs à 1600. S'il y en a un... C'est qu'ils font quand même n'importe quoi. Malheureusement. Malheureusement. Cet homme possède un Glevodo. En vrai, y a rien à faire. Hein. C'est triste, mais vraiment, y a rien à faire. Hein. Genre, je ne peux rien faire.
La team est vraiment 6-0. Putain, mais il fallait que ce soit le mec qui a 1660 de ladder qui m'envoie ça. Elle soit bande, j'en sais rien. Ouais, c'est que si je fais pied robot, je le booste en attaque et derrière après une DD. Ouais, ça devrait passer, je pense quand même. Pas miss. Nice. Et. Oh, il a vraiment fait des DD. J'ai pas coupé. Ça va être un roll, hein, je vous le dis. J'envoie Golet. Le truc, c'est qu'il a même pas l'attaque de contact. Super. Il a peut-être pas Seiz. Bah, dans tous les cas, j'ai quand même 50% de chance de le tuer avec Dracolos. Déjà ça. Seulement j'avais Kuba. Ce serait tellement plus simple. Ok, donc il est dépipé, stalactite. Bonne info. Il y a sûrement Richard et du coup il y a sûrement 6. Que je terra mon pomme de fer. Bah, c'est clair en fait, je vais pouvoir le tuer, mais peut-être qu'il va me falloir 3 pokés quoi. Bro, c'est trop con. Est-ce que je tente le roll avec Dracolos? Ou est-ce que je tente de le play? En fait, je suis obligé de tenter le roll, je vais perdre trop de poké derrière. Allez, c'est parti. Dracolos. Putain. Oh! Pff, heureusement qu'il est nul. Merci à lui. Oh! Oh non. Bon, j'ai pas eu le rôle, mais l'adversaire avait pas vraiment envie de gagner. Après, c'est pas perdu, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Il a plus de terra, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Juste faire ça. 102 HKO. Oh, j'ai peur, je sais pas quoi faire là. Pas de crit, nice. Je suis en train de tryhard pour rien là. C'est trop grave. Vous vous rendez compte à quel point je tryhard? Ces dégâts me font beaucoup rire quand même. C'est quoi ce furry voir là? Oh! Oh oh! Il m'a tué quand même. Oh, c'est trop flippant! Mais pourquoi il fait Kalindri? Moi j'ai fait sur Giga Sensu. 30. Non!
Oh, ça va. Bro, à quel point j'ai stressé. Vous vous rendez compte la présence d'un Pokémon, à quel point ça me met dans la merde. Plus 7. On a gagné 7 points, c'est bon. Oh putain. Heureusement que mon Oppo était nul, parce que franchement là, Glévodo... En vrai, Glévodo, c'est un vrai problème. Hein. Est-ce que j'ai un move sur Pyrobut qui empêche de setup? Après, sinon on joue pied voltige à la place de demi-tour. Hein. Sinon on a Taunt. Ah, Taunt Pyrobut, franchement. Il y a quelque chose, hein. Terra Steel Golet. Ah, j'avoue que Terra Steel Golet, c'est pas mal, hein. Il y a un truc avec Terra Steel Golet. Wow plus Taunt. Bah ouais, je sais pas. Non mais en vrai, demi-tour, c'est trop fort. C'est vrai que peut-être Golet, le mettre Terra Steel, ça peut être mieux. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Clairement, clairement. Clac. Il est où? Bon bah en tout cas cette team est vraiment très très cool, ça fait plaisir. Ah voilà, chercher une idée de vidéo pour demain. Oh top 20. Petit top 20 en live, ça faisait longtemps ça. En vrai top 10 faisable. Bon. Attends. 20ème et c'est qui ce mec là, 25ème? Ridicule. 25ème. Oh putain, ça m'est bien. Juste dommage pour la faiblesse feu, mais ça dérange pas trop vu la team. Ouais, je pense que ça va. Ouais, il y a un Pokémon dans la team qui est un peu frauduleux, c'est Dinglu hein, pour l'instant. Et par contre, des paumes de fer, il carry de fou. Hein. Si t'as besoin du Terra Water dans un futur proche, je vais me faire insulter. Ah, depuis le début du live, on n'a jamais Terra Golet. Hein. Je crois pas. Dinglu, no joke, c'est un sac toutes les games. Ouais, mais enfin, sinon, on est 6-0 par des trucs un peu chiants. Enfin, il faut quand même qu'on ait un switch in agro mago avec Golet. Quand même qu'on puisse venir dessus. Hein. C'est qui le 22ème? C'est Shockwave. Ouh non, Shockwave! Je suis désolé, mais bon. Il était à 2018. Je lui ai ruiné sa soirée. Oh, je suis désolé, bébé. Ça me rappelle un live top ladder que j'avais fait à l'époque. J'étais tombé contre un français. Il m'avait dit yo, j'espère que ça va et tout. Il était genre à 2002 ladder. C'était en, je sais plus si c'était en 7G ou en 8G. Je l'avais battu. Et je me rappelle que genre 2h, 3h plus tard, je l'avais réaffronté. Il avait moins 200 points de ladder. Il était à 1700. Il était dépressif. Il avait envie de se tuer. J'avais été là. Le début de ses souffrances, tout simplement. Il y a quelqu'un qui a envoyé un lien dans le chat, j'ai pas trop envie de cliquer dessus. Hein. Attends, mais c'est possible d'envoyer des liens de manière complètement random dans le chat? C'est autorisé? Pas fait exprès. Ouais. Est-ce que c'est possible de hide un message? Je sais pas si c'est possible. Oh, si tu time out une seconde, c'est bon. J'ai cliqué, ça me demande mon compte d'Ophus. Ouah, c'est pas marrant ça. C'est quoi cette semi-stall? Allez, petite semi-stall là. Ça va bien. Faut tryhard. Là, en vrai, ce qui va être important, ça va être la rigueur. Il est à 1900, il joue semi-stall. C'est la rigueur qui va être importante.
Après, je pense vraiment qu'on a un très mauvais match-up contre Flamigator. Quoi. Ça va être dur. Hein. C'est très fat comme team. Ah ouais, c'est plus que fat là. Nice, j'ai pas miss. Bon, je vais pas trop parler là, je vais essayer de me concentrer. Je pense que le match est vraiment pas en notre faveur. Alors vraiment, vraiment pas. On va essayer, mais bon, je le sens pas trop là. Je vois pas comment on passe. Je vois vraiment pas comment on gagne. Le problème, c'est que quand Pomme de Fer n'a pas le match-up, bah, ça va tout de suite beaucoup moins bien. Ah, ce mistall, c'est quand il n'y a qu'un seul Pokémon offensif. Moi, c'est comme ça que j'appelle ce mistall. Deux Pokémon offensifs, ça va, c'est encore balance, tu vois. Mais un seul, c'est pour moi, c'est ce mistall. Pour moi, c'est les mistall. En fait, ce mistall, ça veut dire stall, mais quand t'es gentil, quoi. C'est la stall gentille. Ouais, je grid un peu, nice. Pas mal ce qu'on fait, mais pas sûr que ça suffira. Hein. J'avance au max en tout cas. J'ai pas mal de chips sur Forêt Voir, ce qui est déjà vraiment pas mal. Mais le problème, ça va être le Famigator. Vraiment, je vois pas comment faire contre Famigator. Je suis circonspect, quoi. En fait, ma seule chance de gagner, c'est de double en boucle. De tout le temps loot play, à tous les tours. Mais le problème, c'est que... C'est pas simple de faire ça contre un mec qui, de base, a le match-up, en fait. Même si je double, à un moment, il va se rendre compte que son Flamigator, il peut l'envoyer gratuitement. Pour l'instant, je sais pas pourquoi il s'en rend pas compte. Mais... Je sais pas pourquoi il insiste avec son Forêt Voir. Voilà, ce qui devait arriver arrive.
On sait qu'il est anti-brume, son Corvaeus. Pourquoi je... Enfin, j'ai du mal à voir pourquoi il jouerait anti-brume. Ah, je peux faire pas mal de dégâts à Flamingasaur là si je décide de stay in et juste spam quoi. Nice, c'est pas mal ça. Ça me permet de le laisser soigner et de hard l'anseau. Nice, ok. Bon là on, joue, on peut pas mieux jouer pour le coup, vraiment. On est ultra bien. On n'a pas fait une erreur, mais le problème c'est que tu vois, là on n'a pas fait une seule erreur depuis 23 tours. On n'a pas spécialement l'avantage quoi. Pour vous dire à quel point le match est pas dur. Merci The Lord of the Flow, c'est gentil mec. Bah écoute, j'espère que tu re-kifferas les streams. Palmarès, t'as les rocks. Bah notre rôle c'est ça. Hein. Là, le problème, ça va être ça, c'est que... En fait, il est pas veste de combat son prédastéry, c'est donc c'est un peu le seul avantage. Je pense que le play c'est Godzinglu là, mais j'ai besoin d'avoir l'info du Fort Ivoire en fait. Est-ce que c'est un Fort Ivoire? Oh, je suis bien. Nice. Oh, il va stack Hazard, je pense. Repos Zinglu. Je l'ai pas vu venir celui-là. Ah! Putain, j'ai pas de chance. C'est allé sur le seul poké, je voulais vraiment pas. Ah! Ah, si seulement j'étais terrafé sur plein de fer. Ah là, le problème, c'est que les picots, je vais les sentir passer avec l'ansorien. Est-ce que je terra spectre avec l'ansorien ou pas? Je vois pas à quel moment je Terra Spectre pas en fait dans ce match. Je serais obligé de le faire. Putain, je tue pas. C'est bon. Bon après, ça le force à Goldinglu, il a fait qu'un tour de sommeil. Le problème, c'est que je peux pas spin. Hein. Donc là, mon lance-orien, il vient un maximum de fois. Hein. C'est pas infini. Après l'astéry, il peut plus trop venir. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que son Flamgator peut pas vraiment venir. Pas du T-Punch. Je pouvais pas le laisser stay in.
Nice. Moyen qui go près d'Astéry là. J'ai pas de tricherie quoi, c'est un peu le souci. Oh non, c'est un lance-orient, lève-toi. Fallait que ce soit ça. Fallait que ce soit ce set de mort. Chien. Pas Flamigator, j'en supplie. Allez. J'ai pas de chance, hein. Ça veut pas envoyer les pokés. Ah, je vois pas comment je gagne. Ça fait depuis le début de la game, je vous le dis. Pour moi, ce match, il est pas pour nous. On va séisme là. Faut que je bombeur poison là. C'est maintenant en fait, c'est ma chance hein. Il me tue pas donc si je bombeur et que je poison, j'ai gagné. Ah, 30%. J'ai réussi à mettre la game dans une situation de 30%. C'est déjà pas mal hein. Ah là là. Allez, le Terra. Terra, oh. Tank. Oui. Bon, malheureusement, lui là. Ah, c'est dommage. On était pas loin. Hein. Ah si, il mise feu follet, j'ai win, je pense. C'est joué aussi là-dessus. J'aurais pu avoir un peu de chance. J'ai pas perdu. Hein. J'ai bien fait de tenter en vrai tous les trucs que j'avais à tenter quoi. Allez. Ouais, en vrai, de toute façon, Corvéus gagne. C'est vraiment le set. C'est dommage que c'est dans ces moments-là que tu te dis si seulement puissance cachée existait encore. Mais c'est surtout, j'aurais pas dû taper sport sur Predastéry. Mais en fait, même si je tape du sommeil sur Corvée, je le touche pas. Quoi. Là, c'était juste terminé. Hein. Faut accepter. Ah, on a tout donné, franchement.
Mais je vous ai dit directement, je savais que c'était fini. Je savais que le match-up était beaucoup trop dur. Flamigator, pour nous, c'est impossible, en fait. Peut-être que Stack Hazard, c'était pas la bonne solution, je sais pas. On prend moins 25. Oh! Enfin, t'imagines, je joue contre un mec à 1872 et je prends moins 25. Ah, c'est ma faute d'être trop fort, hein. Trade les picots. Bah, en fait, le problème, c'est que je suis obligé de trade les picots parce que sinon, je passe pas sa team. Mais c'est vraiment close parce que en soi, je chope le poison sur Flamigator, c'est bon, c'est un 30%. Il y a des moments, si je chope des tout petits avantages, ça fait complètement la diff, quoi. C'est normal, mais il y a des matchs comme ça, t'as beau tryhard, tu les perds, hein, c'est comme ça. Hein. Y'a pas moyen d'être plus rapide que Flamigator et comme de faire. Ça aurait rien changé. Oh putain, par contre là, deux fois d'affilée. Deux stalls d'affilée, c'est chiant. Stalls, c'est genre de match, t'as pas le droit d'être calme, tu vois. T'es obligé d'être aigri. Et en plus, t'as pas le droit de pas être concentré. Bon, après, lui, il était ultra nul, mais. Enfin, en fait, le problème, c'est que même quand t'es ultra nul, quand tu joues stall, tu vas poser problème, tu vois. Tu vas être relou. T'es quand même obligé de tryhard. Parce qu'il a une team qui est 100 fois plus broken que la tienne. Pfff. Non mais regardez-moi ça, genre. Vous imaginez le niveau du gars, hein. Il joue stall, il terravol abri tour 1. Le mec a terra abri tour 1. C'est chaud quand même. Je rencontre toujours les mêmes personnes. FF pour aller plus vite, sinon. T'inquiète. Ça me lasse. Le mec ose dire dans le chat, ça me lasse. Oui, je te la laisse. Mais non! On a déjà joué plusieurs fois. Ouais, bah oui, t'inquiète pas, je me souviens. Je vais te merci. JTM. Je fais plus YouTube. J'ai quitté YouTube. Trop d'hypocrisie. Alors ça, vrai. Merci Tommy. Tu passes de l'espeed, par contre tu passes les team fat qu'on veut avec Terrafeu encore d'accord. Non mais t'as raison, Terrafeu c'est super fort. Pour le coup t'as raison. Oui, merci monsieur. En vrai je t'ai critiqué mais juste pour ça, merci. Par contre je savais pas qu'il était français lui. Je savais même pas. Le nombre de fois où je l'ai critiqué en live avec sa team de mort. Là. Bon après honnêtement on peut pas vraiment perdre. Hein. Enfin les gens ont vu le live, le match tout à l'heure. Bon, pas comment on perd avec notre team. Hein. Genre pomme de fer c'est un 6-0 instant quoi. Bon, il m'a donné 12 points. C'est assez anecdotique. Alors 26e. On va faire encore une défaite, je pense, si on arrête. On a fait top 20, c'est cool. Je pense que cette team, elle est pas extraordinaire parce qu'il y a trop de grosses faiblesses dans le LAD. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le GOAT des joueurs de stall. Non mais le fait qu'ils me croisent et ils disent « J'en ai marre de croiser les mêmes mecs, ça me lasse. » Ça me lasse. Top 10 des CSC inexpliqués par la FIFA. Bon, je suis contre quelqu'un qui a 1795. Là, j'ai pas trop le droit de perdre. Bon là, il y a Glevodo, il y a Scalpreur, il y a Rugilune, il y a tout ce qui me met dans la merde. Va falloir qu'on soit solide encore. Après ma team, à un moment, si je commence à avoir des faiblesses à tous les matchs, c'est qu'il y a un problème.
aussi le dire. Oh non, le lit de Glevodo. À l'aide! La team en face, c'est que des breakers mis ensemble. C'est vrai que la team a l'air assez mauvaise, mais bah, contre le ce que je joue, c'est très fort. En fait, le problème, c'est que si je gogolais, bah, j'ai perdu. Je n'ai aucun soutien. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Oh, mais c'est le set Dance Slam! Oh, à l'aide! À l'aide! Il a vraiment fait Dance Slam sur un pyrobut. Le mec a des couilles en or. Ah, en adamantium. En or, c'est plus que t'es riche, en soi. Et. Bon, bah, Glevodo épisode 9. Hein. C'est vrai que tu te dis que Glevodo, il est énormément spam dans le ladder, quand même. Parce que j'ai dit au début du live, j'espère qu'on va pas croiser Glevodo. Il y a eu que 2 matchs, je crois, où il n'y a pas eu Glevodo. Et c'était les joueurs de stall. Donc, bon. C'est quand même que le poké est vraiment dangereux. Bon. Pas trop le choix. Hein. Ouais, bah écoutez, fallait que ce live se termine comme ça. Hein. Il fallait que ce live se termine comme ça. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Bon là, on a plus de Terra. On a Terra sur un Pokémon nul à chier qui sert à rien dans la game. Ça va être fun là, je pense. On va passer un bon moment. C'est le signe qu'il faut aller se coucher. Non mais en vrai, c'était super cool ce live. De toute façon, quand tu joues à Poké pendant des heures, à un moment ou à un autre, tu vas te faire axe. Hein. Bon là, après, il a l'air quand même nul, non? Attendez, attendez. Il y a un monde où il est caca, hein. Imagine, il fait coup bas, là. Ça va être un de ces matchs où tu reviens des enfers et tu win, on sait pas comment. Pff, ma team, elle est pas trop forte pour ça. Avec Asho, tu peux large, mais avec ça... Oula. Okay. Oh, il prend le risque de perdre la game sur un duel de Sucker God. Mais ce mec est fou. En plus, tout ça pour faire 0 dégâts. Bon, du coup, j'ai eu une DD gratos. Merci à lui. Oh, c'est un garde de fur. On va peut-être juste tenter une autre DD. Ce match est impossible à win. Il a vraiment Terra Spectre là. Oh non! Le Terra Spectre! Il pensait que j'allais faire quoi là? Que j'allais Terra une deuxième fois? Bon, la baisse d'attaque SP a fait chier quand même. Hein. Extreme Speed du coup. Non, mais évidemment qu'il pensait que j'allais faire Extreme Speed, mais il pensait quand même pas que j'allais mourir, enfin que j'allais le tuer. Et, ah, peut-être qu'il connaît pas les calques, hein, tu me diras. Oh, attends, mais il y a un monde où là, s'il se réveille tour 1, je suis finito. Bon, il a l'air d'être extrêmement nul. Nous pouvons encore y croire. Nous ne pouvons plus y croire.
Oh, je fais si mal par contre. Allez, Lonsorien, tu te rappelles quand tu as Terra Crystal tout à l'heure et que tu as mise comme un prout? C'était fun, hein? Mais le ladder tourne au pouf, 1800. Après, quand on joue à très haut ladder pendant tout un live, en fait, bah ça met en perspective les mecs moins forts. Tu vois. Alors là, tu vois, vous avez regardé le live d'aujourd'hui, vous voyez un mec à 1800, ça se voit qu'il est moins fort, tu vois. Mais si on n'avait pas fait autant de matchs avec des très bons joueurs, ça aurait été beaucoup moins visible. On aurait été un peu empêtré dans le prout. Après, ça se voit qu'il est moins fort, mais bon, j'ai mis Dracométéor, ça peut peut-être fonctionner. En vrai, tu vois, ce soir, j'ai quand même été extrêmement axe, pratiquement à tous les matchs. Hein. Ce qui prouve que tu peux te faire axe et quand même gagner, si t'es meilleur. C'est le mindset qu'il faudrait tout le temps avoir. Surtout quand t'es malchanceux dans la vie. Merci Edouard. Je suis actuellement en Écosse et il est 22h19. Je reviens demain. Bravo. Bravo pour l'Écosse. Alors il y a un calque important. Je regarde. Ah mais oui, la Terra. Ouais, du coup, je googlais. Et j'ai endormi un Pokémon ou pas? Séisme. Quick. 102, 120. Les choice bandes 56% de chance de lâcher KO. Je suis obligé de bain de smog du coup. Ouais, ça se trouve, il y a un monde où je me fais juste one shot là. Merci Tigo. Je pense que c'est one shot en vrai. Allez, paume de fer, on croit en toi. Et bon, bah écoutez, ce Miss Dracométéor nous aura bien mis dans la merde. En fait, est-ce que c'est une erreur de ma part? En fait, non, parce que j'avais pas le choix dans tous les cas. Je veux dire, le Glévodo a plus 2 en attaque, il allait me sweep si je fais pas ça. Donc je suis obligé de le faire, tu vois. Donc je me suis pas trompé, je pense. J'ai Miss, c'est comme ça, mais... Ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu sweep avec Dracolos parce que le mec a fait n'importe quoi. Donc j'aurais pu juste sweep avec Dracolos. Mais ce qui est bizarre, c'est que je comprends pas c'est quoi son set de Forever du coup. C'est quand même un peu étrange. Après, c'est ma faute de jouer Dracométéor. C'est la vie. Allez, une DR. Ah, mais là on commence à se faire axe violemment là. Moi, j'ai beaucoup de live showdown à mon actif. Et je sais que quand je fais un très beau top ladder, je monte vraiment haut, que je fais des super matchs et que je commence à me faire axe, il faut absolument arrêter. Absolument. Parce que si tu continues, tu vas en garder un très mauvais souvenir de ce live. Alors que t'as passé un bon moment, tu vois. C'était cool et tout, les games étaient sympas. Dès que tu commences à te faire axe... En plus, je le savais parce que tu vois, ce matin, j'avais l'occasion d'aller à la messe, d'aller prier. Parce que j'en suis à 6 prières aujourd'hui. Et tu vois, je téléphonais avec le prêtre, il me disait, bon, 6 prières, tu pourrais passer à 8-9, quoi. Et bah ça se voit. Évident, là, c'est clair et net que j'ai pas mal manqué de prières à ce niveau-là. Et du coup, bah c'est my bad. Clairement, à ce niveau-là, c'est my bad. En vrai, on s'est énormément fait axe, mais on a quand même réussi à bien gagner. Donc au final, c'est un bon souvenir, ce live. C'est comme la game de trop où tu démodes des... Ouais. Tinglu, il a pas servi de la soirée. Bah, au final, Tinglu, il a pas servi, mais... Est-ce que ça veut dire qu'il a été inutile? Faut pas confondre. Hein. En fait, sa présence fait que l'adversaire va jouer d'une certaine manière. Parfois, il va pas faire certains plays parce que j'ai Tinglu, tu vois. Il faut pas confondre. Quel est ton dieu, Fichinator? Ah bah, le seul dieu qui existe, hein, Saint Arceus. Même si en ce moment, bon... Il est pas au top de sa forme.
SD a été tapé un total de 0 fois sur Iron Hands. Où ça? Ça, c'est 100% faux par contre. On l'a fait au début du live en plus. Bon, merci d'avoir été là, c'était cool. Gros bisous, à demain pour une nouvelle vidéo. Ça sera du Pokémon Showdown. Donc, bah, si vous avez kiffé ce soir, vous kifferez demain. Allez, ciao. En fait, vous vous attendez... Vous voyez? Non mais... Parce que vous dites ça, mais... J'ai tapé combien de fois lance-flamme sur lance-rien? 0 fois. Voilà. J'ai tapé combien de fois... Bon, après, toutes les autres attaques, j'ai... En vrai, Bunsmoke, je l'ai tapé 0 fois, parce que je suis mort. La seule fois où j'ai cliqué Bunsmoke, je suis mort. Bunsmoke, 0 fois. Lance-rien, lance-flamme, 0 fois. Enfin, ça veut pas dire que l'attaque est nulle. C'est juste que, bah, t'en as pas toujours besoin, quoi. Ah, ciao les gars! Le cul de ta femme, 0 fois. Ouais, ça malheureusement.